voilà, on a quelques startups avec nous dans l'école. Et il y a aussi donc un live sur les différentes pages donc du réseau MSN. Alors, sans tarder, je vais commencer par une question qui est extrêmement simple. Donc, voilà, l'idée dans ce panel, c'est de permettre en fait aux gens qui nous suivent de comprendre un petit peu, donc, de manière, on va dire, analogue, comment, voilà, quelles sont les différentes réglementations qui sont implémentées dans nos différents pays, donc Algérie, Maroc, Tunisie. Et je vais demander à l'ensemble des intervenants, en fait, de répondre aux mêmes questions. Donc, j'ai prévu, voilà, cinq questions. La première est relativement très, très simple. C'est de manière générale, comment ça se passe pour la création d'une entreprise dans chacun de nos pays? Est-ce que le process aujourd'hui est 100% digitalisé? Quels sont les délais, exigences au niveau de l'actionnariat, le coût? Qu'en est-il quand il y a des fondateurs étrangers? Donc, on va toujours y aller avec, on va dire, l'ordre suivant. On va commencer par l'Algérie, en passant par le Maroc et en atterrissant à la Tunisie. C'est juste l'ordre alphabétique des pays. Alors, Monsieur le ministre Yassine, à vous la parole. Merci. Donc, en fait, je pense que selon les pays, on essaie un peu de faire la même chose, qui est de créer peut-être un cadre dédié qui permet de différencier les startups, disons, les entreprises innovantes du reste des entreprises. J'ai pu identifier plusieurs questions, donc je vais essayer de répondre question par question. Donc, concernant la création d'entreprises, donc c'est un process qui ne concerne pas que les startups, donc concernant toutes les sociétés. En Algérie, on a mis en place dans le passé une plateforme qui permet de créer une société en ligne, qui n'a malheureusement peut-être pas eu la popularité qu'on souhaitait qu'elle ait. Et récemment, on a repris le projet pour faire en sorte que ce soit un peu plus user-friendly, j'ai envie de dire. Donc, mais sinon, disons que l'énorme majorité de la création de sociétés passe actuellement par le circuit classique, donc notaire, centre national du registre de commerce, etc. Après, il y a eu beaucoup de, comment dire, d'efforts qui ont été faits pour rendre la procédure un peu moins contraignante. Aujourd'hui, en Algérie, n'importe quelle personne peut avoir son registre de commerce en 24 heures, donc c'est beaucoup moins contraignant que si on revient 5 ou 6 ans en arrière. Mais il y a quand même, je pense, un grand boulot à faire, je pense, du point de vue peut-être de la digitalisation du process. Après, pour la deuxième question, un peu pour tout ce qui est cadre réglementaire. Donc, en fait, on a un nouveau ministère qui a été créé, dont je suis le premier responsable, qui est dédié aux startups. Et justement, notre travail depuis 6 mois a été de faire en sorte qu'on puisse différencier les entreprises innovantes ou les startups du reste des entreprises. C'est ce qui a été fait à peu près dans beaucoup de pays dans le monde, en Europe. La Tunisie aussi qui a fait un excellent boulot, surtout en termes de communication par rapport au Startup Act, et qui est un franc succès. Je salue par la même occasion nos amis tunisiens avec lesquels on a beaucoup de contacts et avec qui on collabore très régulièrement. Donc, mais c'est vrai que jusqu'à un certain degré, le fait d'avoir des process où on peut identifier les startups et on peut les différencier un peu des autres entreprises pour leur faire bénéficier d'avantages fiscaux, parafiscaux, etc., c'est extrêmement opportun. Mais je pense que c'est gérable jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire que au moment où la création d'entreprise dépasse un certain seuil, là on passe vers des process qui sont un peu plus naturels, un peu comme ce qu'on voit dans des pays où l'investissement dans l'innovation est quelque chose de normal depuis fin des années 80, depuis les États-Unis, etc. Mais sinon, je pense que ce soit dans les 3 pays, on a à peu près les mêmes réflexions. Nous, si vous voulez que je revienne un peu à l'Algérie, donc on a travaillé sur un
cadre réglementaire qui permet justement de différencier les startups et les entreprises innovantes du reste des entreprises entre guillemets classiques. On est en train de faire passer différents textes de loi. Il y a eu aussi un fonds dédié à l'amorçage des startups qui a été créé. Il y a une société de capital investissement qui va faire du venture investment aussi au profit des startups. Point de vue réglementaire aussi, sans trop m'étaler, on a travaillé sur différents aspects de la question. Au niveau de la loi de finances, ajouté des exonérations fiscales pour les startups. Et enfin, c'est un peu hors sujet, mais on a aussi mis en place un cadre réglementaire par ce qui est crowdfunding, parce que c'est un sujet qui intéresse pratiquement directement les startups, parce que pour le moment, donc, on a fait passer ce qui est private equity. Donc, grosso modo, ça, c'est un peu pour résumer un peu ce qui est cadre réglementaire. Mais sinon, donc, comme je l'ai dit au début, je pense que selon le pays, c'est vraiment la même réflexion. C'est juste que la manière avec laquelle on a opéré diffère selon le pays et le contexte. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être juste pour avoir quelques éléments complémentaires de comparaison, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, si une start-up qui vient de Tunisie veut s'installer en Algérie, est-ce qu'il y a des exigences pour les fondateurs étrangers au niveau de l'actionnariat? Alors en fait, la question ne concerne pas que les startups, parce que y a quelques semaines, donc il y a eu l'approbation de la loi de finances complémentaire en Algérie, où on a fait sauter quelques freins qui ont empêché l'investissement étranger de manière générale. On ne pas juste les startups. Durant des années, on a imposé aux éventuelles entreprises qui voulaient s'installer en Algérie d'avoir un partenaire. Donc la fameuse règle des 51-49. Qui a malheureusement durant des années un peu découragé certains investisseurs à s'implanter en Algérie ou certaines entreprises. Donc ça ne concerne pas forcément que les startups, hein, ça concerne toutes les sociétés. Là, cette règle n'existe plus. Donc ça va, je pense, encourager. Et puis nous avons, avec le MSN, eu différentes discussions dans le passé sur le fait d'éventuellement faire en sorte que les statuts ou les labels startups soient reconnus de part et d'autre de chaque pays, ce qui pour moi est extrêmement intéressant parce que ça permettrait au pays, enfin aux startups de chaque pays de pouvoir scaler de manière un peu plus facile compte tenu des similarités en fait culturelles etc. entre les pays. Donc c'est beaucoup plus facile pour une startup maghrébine de s'implanter dans d'autres pays maghrébins. Et donc c'est tout un totalement envisageable d'avoir, de reconnaître, d'avoir un cadre juridique qui puisse reconnaître les statuts ou labels start-up, peu importe le pays. Je pense qu'on pourrait vraiment y aller vers ça, tout en sachant que, disons que les critères de sélection, de tri sont pratiquement les mêmes partout dans le monde, donc c'est tout à fait envisageable. Excellent. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole donc à Sylvain. Alors, tu peux répondre à toute la question ou une partie de la question à ta convenance. Sylvain, à toi la parole. Je pense que voilà, ton micro était Ça y est, fermé. c'est fait. Oui, aujourd'hui au Maroc, donc on a un cadre légal permettant la création en ligne. Là, toutefois, la plateforme n'est pas tout à fait opérationnelle. Je pense qu'il y a encore quelques retouches à faire, mais ça ne devrait pas tarder. Donc, le Maroc a bien avancé sur ce point. Donc, pour l'instant, de ce fait-là, on passe par un guichet unique qui va faire effectivement tout le processus par la suite d'enregistrement et de déclaration de la société auprès des différentes administrations. Il faut compter en moyenne une quinzaine de jours par expérience entre le moment où on prend rendez-vous et au moment où on obtient l'immatriculation. En termes de coût, le coût des formalités est non significatif. Sur le plan des investissements étrangers, très rapidement, peut-être qu'on reviendra dessus, les investissements étrangers sont libres au Maroc. Il n'y a pas de contrainte pour un investisseur étranger qui peut être sans difficulté d'un point de vue juridique, également dirigeant une société de droit marocain.
Voilà ce que je peux dire de manière en introduction, très, très rapidement. Merci. Haytham. Merci Mehdi. Alors, je remercie Monsieur le ministre pour le clin d'œil pour la Tunisie. Et encore une fois, on est disposé à partager l'expérience tunisienne, tout ce qui a été fait sur les 4 dernières années, si ça peut être d'utilité pour les pays frères et amis, l'Algérie, le Maroc, les autres pays maghrébins. En l'occurrence, pour nous, en ce qui concerne la création d'entreprises à proprement parler, alors aujourd'hui, il y a eu des efforts pour la digitalisation de ce process de création d'entreprise. Cela dit, aujourd'hui, ce n'est pas encore opérationnel. On est peut-être un peu comme le Maroc aujourd'hui. Et aujourd'hui, le process continue à impliquer une partie qui est digitale, notamment tout ce qui est déclaration d'investissement se passe en ligne en 24 heures. Cela dit, après, on doit se rendre aujourd'hui, notamment pour les startups et les PME, ils doivent se rendre au niveau du guichet unique, au niveau de l'agence de l'API, l'agence de promotion de l'innovation. Et ce parcours-là n'est pas encore totalement user-friendly, user-centric, etc. Et donc, nous, un des enjeux pour nous, en tout cas, c'est de proposer un parcours full digital pour les startups incessamment et de considérer les startups un peu comme un pilote. C'est-à-dire, si les choses se passent bien avec les startups, demain, ça peut être généralisé aux autres acteurs économiques. Donc, c'est là où on est par rapport à la création d'entreprises à proprement parler. Autre chose aussi, c'est par rapport aux formes juridiques. Aujourd'hui, en Tunisie, le code des sociétés commerciales, il faut qu'il soit étoffé de notre côté, parce qu'actuellement, on a principalement deux catégories de formes juridiques. Nous avons la SARL et ses variantes, la SUARL, etc. Et nous avons la SA. Mais la couche intermédiaire qu'est la SAS, on ne l'a pas encore. Et du coup, il y a des travaux pour essayer d'amener ça, parce que c'est une forme juridique qui parle énormément aux startups, parce qu'elle est un peu plus structurée que la SARL, mais elle n'a pas autant de contraintes que la SA. Et donc ça, il y a des travaux en cours pour la mise à jour du code des sociétés commerciales, notamment avec cette forme juridique, mais aussi avec des nouveaux instruments financiers. En ce qui concerne maintenant les investisseurs étrangers, si des startups marocaines, algériennes, libyennes ou mauritaniennes, si elles seraient intéressées par la Tunisie. L'investissement également en Tunisie est libre, l'investissement étranger est libre. Et tout ce qu'il faut faire, notamment par rapport à des aspects de change et de rapatriement de devises, c'est qu'au moment où on investit, il y a une déclaration d'investissement qui est à faire. Alors cette déclaration aujourd'hui, la bonne nouvelle au niveau de la Banque centrale de Tunisie, c'est que le process est digital, donc on peut faire cette déclaration en ligne. Et derrière, du coup, on peut investir en tant qu'investisseur, il n'y a pas de distinction au-delà. Donc voilà globalement, par rapport à tout ce qui est création d'entreprise, ce qui existe, les perspectives et les axes d'amélioration. Merci. Excellent. Alors, pour résumer ce premier tour de table, donc on se rend compte que voilà, sur l'aspect digitalisation de la création d'entreprise, bah, l'ensemble en fait, de nos pays aujourd'hui sont à peu près au même stade, c'est-à-dire qu'ils ont entamé cette procédure, mais elle n'est pas encore aboutie, on va dire, à 100%. Donc, et c'est quelque chose qui est très très important, on va dire, dans le doing business, et c'est ce qui permet en fait de justement donc de gagner des points. L'actionnariat aujourd'hui, donc, il est libre dans l'ensemble des pays, ce qui est aussi une très très bonne nouvelle. Concernant le coût, donc a priori, donc sur l'ensemble des pays, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher. Donc voilà. Maintenant, je voudrais qu'on passe à une deuxième question où on va dire, spécifier un peu plus donc la notion de start-up. On a eu déjà quelques éléments par Monsieur le ministre et par Haytham sur les statuts juridiques, soit qui sont en préparation, soit qui sont déjà en opérationnalisation, de manière opérationnelle en Tunisie, sur le statut de start-up. Donc, je voudrais qu'on prenne quand même un petit moment pour s'attarder sur ce point-là, parce que l'ensemble des start-up qui nous écoutent voudraient comprendre, voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécial qui a été fait pour les start-up et comment ils peuvent en profiter. Alors, je vais inverser l'ordre cette fois-ci en commençant par Haytham. En Tunisie, on sait, on a beaucoup entendu parler du Start-up Act, voilà, tunisien. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire comment une startup peut bénéficier, on va dire, de ce statut?
Merci Mehdi pour la question. Alors, le Startup Pact, comme je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine qui a commencé déjà depuis 2016 et même la réflexion d'avant de 2015. Déjà, on a c'est Norman Feili, l'ancien ministre en charge de l'économie numérique, qui est parmi nous ce matin et qui est un peu l'initiateur de ce projet-là. Mais également, c'est un projet qui a été porté par en l'occurrence, c'est Anour Maarouf qui l'a fait aboutir. Aujourd'hui, on est au troisième gouvernement sur ce projet-là. Donc, c'est un projet structurant qui a parcouru plusieurs gouvernements, qui a vu le jour, donc qui est né officiellement en 2018, en avril 2018, suite à son adoption à l'Assemblée des représentants du peuple, à l'ARP, au Parlement. Ça nous a pris à peu près une année pour mettre en place tous les textes réglementaires et l'opérationnaliser. Donc, le 5 avril 2019, il a été lancé. Et aujourd'hui, on a d'ores et déjà fêté la première bougie de ce Startup Act-là. Ce que je peux dire déjà, c'est que par rapport à votre question, Mehdi, sur la définition d'une startup, alors c'est un sujet qui est très délicat parce que, en fait, il n'y a pas une définition standard de qu'est-ce qu'une startup. Et donc, tout le long du travail de structuration du Startup Act, on a dû faire beaucoup d'efforts pour essayer de définir un peu ce concept-là qui est très difficile à cerner. Et in fine, en fait, la définition, pour faire simple, on a choisi 5 critères pour définir une startup. Il y a 3 critères objectifs et il y a 2 critères subjectifs. Les 3 critères objectifs étant tout d'abord l'âge. Donc la startup, par essence, elle est jeune en termes d'âge, donc elle est récemment créée. Et en l'occurrence, nous, on a mis le curseur à 8 ans, donc elle ne doit pas dépasser 8 ans. Alors, on sait qu'il y a d'autres pays qui mettent à 5 ans, il y a d'autres pays qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Nous, on a mis le curseur là, donc elle ne doit pas dépasser 8 ans d'existence. Deuxième critère, c'est la taille. Pareil, une startup, elle est de taille petite et elle est amenée à scaler rapidement. Mais le point de départ, c'est qu'il faut que la taille soit petite. Et la taille, elle est petite pour nous sur 2 critères. Alors, il y a un critère d'effectif. En l'occurrence, pour nous, encore une fois, on a mis le curseur à une centaine d'employés. Et le deuxième curseur, c'est un curseur financier. Et donc là, c'est soit le chiffre d'affaires annuel, soit le total bilan. Et dans les deux cas de figure, pour nous, il ne faut pas que ça dépasse les 15 millions de dinars. Donc à peu près, pour faire simple, c'est à peu près 5 millions d'euros, pour faire simple. Donc ça, c'est les critères de taille. Troisième critère objectif, c'est l'indépendance. Par indépendance, pour nous, c'est une indépendance du capital. Concrètement, un grand groupe qui lance une nouvelle structure, quand bien même elle est petite, elle est jeune, pour nous, ce n'est pas l'esprit start-up. Une start-up, elle doit être détenue majoritairement par ses cofondateurs ou des fonds d'investissement. Ou en l'occurrence, si jamais on est dans un schéma hybride, par des start-up étrangères. Pour les start-up qui peuvent avoir un front office ailleurs et un back office dans un de nos pays, ou vice-versa, ça peut être aussi intéressant pour nous. Donc, il y a ce critère-là d'indépendance du capital. Ça, c'est les 3 critères objectifs. Les 2 critères subjectifs, c'est tout d'abord un critère d'innovation, et Dieu sait que c'est difficile de définir l'innovation. Et ensuite, c'est un critère de scalabilité, ou scalability, et c'est cette capacité à croître de façon exponentielle. Et donc, ces 2 critères, encore une fois, sont relativement compliqués à définir, c'est pas des critères binaires, en fait. Et sur ça, on s'est creusé pas mal les méninges pour nous dire comment on va pouvoir les définir, parce que ça fait quand même partie de l'ADN d'une startup. Et donc, à la fin, ce pourquoi on a opté dans le Startup Act, c'est une approche à 2 temps, où dans un premier temps, on a un collège des startups qui est formé majoritairement de personnes issues de l'écosystème, d'investisseurs, de structures d'accompagnement, d'experts, etc., avec quelques représentants du secteur public qui vont se prononcer. Alors, quand bien même ce n'est pas la meilleure approche, en attendant de mettre en place la deuxième approche qui est plutôt via les fonds d'investissement. Et en gros, l'idée pour nous, c'est un peu comme les modèles anglo-saxons, c'est que si on a des fonds d'investissement de qualité qui, eux, sont prêts à mettre des sous dans un projet en disant que c'est innovant et scalable, ben c'est bon pour nous. Parce que l'acte d'investissement pour nous est le meilleur ou la meilleure expression du marché. Donc voilà globalement, Mehdi, par rapport à la définition de ce qu'est une startup. Maintenant, le Startup Act, au-delà, c'est une batterie de mesures. Et pour faire simple, c'est des incitations à l'adresse des entrepreneurs, deuxiaux à l'adresse de la start-up elle-même et tertiaux à l'adresse des investisseurs dans les start-up. Donc ça, c'est les 3 familles d'incitations qu'offre le Startup Act. Si vous voulez qu'on rentre dans un peu plus de détails, on peut le faire. Mais ce que je
peux déjà vous dire, et je pense que ça, c'est une information intéressante pour tout le monde, c'est que ce cadre-là, aujourd'hui, on a un peu plus d'une année, nous sommes déjà à pratiquement 300 startups labellisées sur pratiquement 500 candidatures qu'on a reçues, un process full digital. Et en fait, on voit même en Tunisie, comparé à d'autres programmes qu'on a, parce qu'on a des labels innovation, on avait d'autres programmes en fait au niveau des ministères des technologies, du ministère des technologies, pardon, et ce n'est pas du tout le même scale en fait. On est sur vraiment quelque chose de structurant, ça parle, il y a un fit avec les entrepreneurs et on se réjouit de ça. Et ça, ça ne peut que nous donner plus de billes pour essayer d'itérer, d'améliorer ce process et d'être hyper lean dans ce qu'on est en train de faire. Voilà, merci. Excellent, merci beaucoup Seraitam, c'est très très clair. On retient qu'aujourd'hui 300 startups ont bénéficié donc du label, ce qui est une très très belle performance. Je vais me retourner maintenant vers Monsieur le Ministre Yassine. Vous avez parlé tout à l'heure donc d'une préparation d'une loi Startup Act en Algérie. Est-ce qu'on aura le droit aujourd'hui à un scoop? En fait, on a toujours travaillé, disons, dans la transparence parce que toutes les décisions qu'on essaie de prendre ont été directement issues de la communauté. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas nous détacher de la réalité et du coup, il n'y a pas vraiment de scoop. Je suis désolé de vous décevoir parce que, disons, qu'on a toujours été dans le partage d'informations, d'autant plus que nous essayons d'impliquer un maximum d'acteurs algériens à l'innovation. Donc, on a la conception des différents textes de loi. Je pourrais vous faire rapidement donc, l'historique de ce qui s'est fait en Algérie. Donc, en Algérie, en fait, durant des années, on a défini la start-up sur la base de quelques codes de la nomenclature du registre de commerce. Parce que durant des années, il y avait une petite amalgame entre start-up et entreprise dans le digital. Ce qui est le cas quand même dans beaucoup de pays, hein, parce qu'on oublie qu'une start-up peut être ailleurs que dans le digital, c'est principalement parce que c'est dans le digital qu'on trouve autant de success stories et de licornes, etc., qu'on a tendance à associer les deux, mais on a, je pense qu'il faut quand même éviter cet amalgame qu'il y a entre les deux. Par rapport aux différents textes de loi qu'on est en train de préparer, on a quand même pas mal. Il y en a qui intéressent donc les structures d'accompagnement, les incubateurs, les accélérateurs, etc., sur lesquels on mise beaucoup parce qu'on considère que c'est vraiment ces structures-là qui peuvent être des vecteurs de la politique de notre ministère, en fait. Et en même temps, il y a des textes de loi qui concernent directement le start-up. Ça s'appellera peut-être pas Start-up Act parce qu'on respecte un peu la marque de nos voisins tunisiens, mais sinon c'est à peu près la même la même réflexion dans le sens c'est un cadre juridique qui va enfin un cadre réglementaire qui va pouvoir différencier les jeunes entreprises innovantes de du reste des entreprises selon un certain nombre de critères. Après, pour ne pas être forcément binaire, on dit vous êtes une startup, vous ne l'êtes pas, nous avons ajouté un petit degré de flexibilité en précisant aussi quel type d'innovation la startup propose. Et donc, on a mis en place ce que nous, on appelle l'Algerian Innovation Startup Index. Donc, en fait, c'est un index où on essaie de classer la startup selon, disons, le type d'innovation qu'elle propose. Est-ce que l'innovation, elle est dans le business model? Est-ce que c'est carrément une innovation de rupture? Et par ce mécanisme-là, on essaie par la même occasion de calculer le risque financier qui est lié à l'activité. Parce qu'il faut savoir que parallèlement à cette politique, cette partie de notre programme qui concerne le cadre réglementaire, il y a aussi une autre partie qui est celle du financement, où il y a un fonds public qui a été créé pour financer les startups et selon les différentes phases. Donc, il fait du seed investment, il fait donc de l'amorçage et il fait même du capital risque pour les startups qui ont vraiment fait preuve d'un grand potentiel de croissance. C'est-à-dire que je pense que les principales différences avec le modèle de nos chers amis tunisiens est peut-être dans le fait qu'on donne aussi leur chance à des entreprises qui ne sont pas forcément extrêmement innovantes. Donc, et puis, on essaie aussi de s'adapter selon le type d'innovation, la taille d'entreprise et le stade de maturité de la start-up.
Le cadre est pratiquement. Bon, on a essayé de faire vite. Hein. Le ministère existe depuis 6 mois. On n'a pas essayé de repartir de ce qui s'est fait dans le passé parce qu'on considère que ça allait souvent en contradiction avec notre vision qui est de libérer les initiatives, etc. Donc, et depuis 6 mois, on a terminé avec tout ce qui est juridique, etc. Là, c'est vraiment. On est en train de suivre le deuxième process qui est celui de validation des textes qui prend en Algérie un peu moins de temps qu'en Tunisie. Parce que je sais qu'en Tunisie, ça a pris quand même 2, 3 ans, je pense, entre le moment où l'idée a démarré au moment où ça a été validé par le Parlement. Chez nous, ça prend un peu moins de temps. Donc, on espère que d'ici les quelques semaines à venir, ce cadre sera effectif. Mais parallèlement à ça, et vu qu'on essaie d'avancer sur plein de chantiers à la fois, on a aussi travaillé sur d'autres aspects un peu de la réglementation qui touche un peu le système fiscal. Et là, Monsieur Haitham qui a parlé des statuts juridiques, c'est un point qui est très important parce que c'est les formes juridiques sont à peu près les mêmes en Algérie et en Tunisie, à peu près les mêmes en France aussi. Donc on a en Algérie la SARL et on a la SPA qui est équivalente de la SA, c'est la même chose. Et donc on a aussi travaillé sur une forme alternative qu'on appelle la SPAS, donc la séparation simplifiée, qui offre plus de flexibilité que la SARL et moins de contraintes que la SPA. Et donc ça, c'est les différents chantiers qu'on a lancés depuis janvier. Et je pense que maintenant, on est quand même bien avancé, c'est-à-dire que absolument tout a été fait, validé. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est qu'on a essayé vraiment d'avoir cette réflexion de démarrer sur des bases solides. Et du coup, sur tous les textes, on a exigé ce que tous les process se fassent entièrement en ligne. Donc, on veut totalement éliminer la bureaucratie, etc. Et faire en sorte que les jeunes entrepreneurs qui sont dans des secteurs d'innovation puissent se concentrer sur l'innovation et pas sur autre chose. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Donc, on retient Startup Act en Tunisie, on a déjà 300 startups. Startup Act équivalent en Algérie, c'est dans quelques semaines. Qu'en est-il pour le Maroc, cher Sylvain? Alors, ici au Maroc, on n'a pas de cadre légal dédié aux startups, à l'image de ce qui existe en Tunisie et ce qui va arriver en Algérie. Il y a quand même tout un écosystème favorable à l'investissement, enfin, d'un point de vue financier. Il y a eu beaucoup d'initiatives sur ce point de vue, donc ça, c'est un premier point. Maintenant, sur le cadre juridique, s'il n'y a pas un cadre légal dédié aux startups, on a malgré tout un cadre juridique favorable à l'innovation au Maroc, ne serait-ce qu'en termes, par exemple, de protection des droits d'auteur, la possibilité également le brevet, donc en termes de titularité de droits sur certaines matières qui font l'objet d'innovation, les bases de données, il y a des choses qui existent. La contrefaçon est également là, effectivement, aussi pour sanctionner le fait de copier des projets innovants. Donc on a un cadre légal qui existe favorable à l'innovation. D'un point de vue fiscal, il y a également plusieurs mesures qui ont été prises, alors qui en réalité, dans la pratique, ne sont, à ma connaissance, sont très peu appliquées. On a déjà comme mesure la possibilité pour les entreprises qui prennent des participations dans des jeunes entreprises innovantes de bénéficier d'une réduction d'impôt. Le montant de la prise de participation a été porté à 500 000 dirhams dans la dernière loi de finances. Et pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure au niveau des critères, effectivement, on a un critère de 5 années qui existe. La notion d'entreprise innovante n'est pas définie, donc ce qui peut aussi poser beaucoup de difficultés et par la suite éventuellement de contrôles fiscaux sur le point. En termes de chiffre d'affaires de ces entreprises dans lesquelles une participation est prise, doit être inférieure à 5 millions de dirhams. Donc, je dirais, sans aller plus loin, on a des critères sur ce régime fiscal qui rejoignent ce qui existe en Tunisie. On est sur des petits critères. Il y a également, alors, de manière aussi générale pour toutes les entreprises, un régime favorable à la création d'entreprises en termes d'exonération de cotisation minimale. Il y a des avantages en matière de TVA, de taxes professionnelles où il y a une exonération.
Il y a des avantages en matière d'exonération d'IR et de cotisation sociale sur les employés, sur des petites rémunérations. Donc voilà, il y a quand même un cadre qui est de nature à favoriser, en tout cas, la création de start-up. Mais pour revenir, pour résumer, aujourd'hui, il n'y a pas un cadre légal dédié aux start-up. Alors, Mehdi pourrait peut-être nous en dire plus, je pense qu'il connaît bien le point. Par contre, il y a aussi beaucoup de discussions pour la création, la mise en place effectivement d'un Startup Act également au Maroc. En termes de structure, et ça sera mon dernier point, ben, comme ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'innovation. Donc, dans un premier temps, on a deux structures qui s'appliquent le plus, qui sont la SRL et la société anonyme. La SRL, on peut avoir un associé, et la société anonyme, cinq associés. Mais ces deux structures, aujourd'hui, ne sont pas favorables de parler, on va dire, les contraintes qu'elles impliquent par rapport à la réalité d'une start-up. Je ne sais pas effectivement la structure, les structures les plus adaptées aux start-up. Merci Sylvain. Je vais me permettre, si ça te convient, de compléter ce que tu as dit sur en fait, la partie Startup Act au Maroc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est le parent pauvre du Maghreb sur le sujet. Il y a un travail qui a été fait depuis maintenant, je dirais, voilà, 2 ans. Donc, on s'est beaucoup inspiré, on va dire, de ce qui a été fait en Tunisie. Donc, il y a eu les assises de la start-up qui ont été organisées au Maroc il y a maintenant 1 an. Et on est sorti avec un ensemble de recommandations, donc, qui ont émané de tout l'écosystème. Donc, je parle start-up, structure d'accompagnement, et qui ont venu compléter ce qui a été proposé par le Startup Act tunisien. Alors, ce travail a été remis justement donc à notre ex-secrétaire d'État chargé de l'investissement, M. Otmal Ferdaous, qui est devenu aujourd'hui le super ministre de la culture et de la jeunesse et des sports. Donc, ces travaux ont été intégrés dans la charte d'investissement qui peine à, on va dire aujourd'hui, à être lancé concrètement sur le terrain. Donc voilà. Donc ça fait maintenant 1 an qu'on nous dit que dans quelques semaines cette charte d'investissement va sortir, mais voilà, elle sort pas encore. Donc voilà, on espère qu'elle pourra sortir très très bientôt. En tout cas, quand elle sortira, ce qu'il y a dedans, c'est un équivalent, on va dire, de ce qu'il y a dans le Startup Act tunisien, avec un certain nombre de mesures adaptées au Maroc, voire quelques petites mesures complémentaires. Donc c'est vrai que notre écosystème marocain de start-up attend vraiment avec impatience, on va dire, ce déblocage, parce que ça va permettre en fait vraiment de débloquer la création des start-up. Donc moi-même j'ai fait beaucoup de lobbying sur le sujet, et donc j'ai intervenu dans plusieurs événements avec nos chers ministres pour pouvoir les pousser à sortir ce Startup Act. Et j'avais pris un exemple, je me rappelle, une fois au niveau du patronat, j'avais pris la parole et derrière moi, il y avait le ministre, j'avais demandé, s'il vous plaît, on a besoin de cette loi rapidement dans les 6 mois qui suivent, pas dans 3 ans. Malheureusement, on est en train de se diriger pour l'avoir au bout de 3 ans. Alors, je vais passer à ma troisième question, qui est une question en fait assez technique, mais qui est extrêmement importante pour l'ensemble des startups qui nous regardent aujourd'hui. Vous savez que dans une startup, voilà, elle n'a pas beaucoup de moyens et généralement, en fait, elle peut utiliser des mécanismes de vesting pool pour intéresser et pour garder ses employés dans la durée. Alors, manière très, très simple, et je vais commencer par toi, Sylvain, est-ce qu'un système de vesting pool existe dans la loi marocaine? Est-ce que c'est facile de l'implémenter? Alors, dans la loi marocaine, alors plus précisément dans le Code général des impôts, effectivement, il y a un système pour les plans, les stock options, effectivement, qui est allé dans la durée. Maintenant, après, ce cadre fiscal, il se plaque sur un cadre juridique qui, malheureusement, n'existe pas aujourd'hui dans les deux lois sur les sociétés commerciales. Donc, il y a un déphasage ici à ce niveau-là. Après, de mon expérience, j'ai pas rencontré d'entreprise qui avait mis en place effectivement ce cadre favorable, fiscal favorable, qui consiste tout simplement à dire que
pour la décote de prix pour la souscription des salariés, qu'on appelle l'abondement ou la décote, effectivement, elle est exonérée d'impôt sur le revenu si elle ne dépasse pas 10% par rapport à la valeur réelle de l'action, d'une part. Et l'autre avantage, effectivement, c'est que la cession de la plus-value, elle se fait par rapport entre la valeur, le prix de cession et la valeur de l'action au jour où je l'ai acheté. Donc, ne rentre pas dans le calcul de la plus-value l'abondement ou la décote dont a bénéficié les salariés au départ. Ça, c'est le régime. Dans la pratique, je n'ai pas vu d'entreprise qui l'ont appliqué. Nous-mêmes, on a travaillé avec des entreprises sur ce point. On est plus allé sur des systèmes contractuels, droit des sociétés pures, justement parce que effectivement, il y avait un déphasage entre un texte fiscal, mais sa réalité juridique n'existait pas. Donc, on a plutôt trouvé des solutions contractuelles et reposant sur le droit des sociétés, tout simplement. Merci, Sylvain. Merci. Alors, Monsieur le ministre, qu'en est-il en Algérie? Est-ce que c'est un point en fait qui existe déjà ou bien c'est un point que vous pensez justement intégrer dans votre prochaine loi Startup Act? En fait, on a eu quelques pistes de réflexion avec le ministre du Travail par rapport à ça. En Algérie, on n'a pas encore de cadre qui puisse... qui est dédié à ça, en fait. C'est pas vraiment dans les prévisions du Startup Act, dans le sens où nous, notre objectif premier, c'est d'abord de pouvoir différencier la startup et dès lors qu'on pourra le faire, après, on pourra traiter avec tous les autres ministres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un peu notre ministère a été attaché au Premier ministre. Donc, du fait de la nature un peu transversale du sujet des startups, parce qu'il ne concerne pas forcément que les startups, en fait, la plupart des mesures qu'on propose intéresse aussi d'autres entreprises. On parlait par exemple de nouvelles formes juridiques, etc. Donc, c'est pour ça que, en fait, nous, dans un premier temps, notre travail, c'est vraiment de bien délimiter les lieux et ensuite, voir avec les différents ministères. Mais je sais qu'il y a une grosse réflexion dessus au niveau de deux ministères principalement, donc les finances et le travail, avec qui on travaille de manière très approchée. Beaucoup de nouveau par rapport au règlement, que ce soit sur le point de vue fiscal ou parafiscal. On a aussi un gros chantier qu'on a lancé aussi qui concerne donc la révision du code du commerce. Mais pour l'heure, il n'y a pas vraiment de cadre, il y a des pistes de réflexion, il y a des travaux qui sont faits selon le différent ministère chacun en ce qui le concerne, mais à notre niveau, pas encore. Voilà. Très bien, merci. Haitham. Alors, du côté tunisien, c'est un peu le verre à moitié plein parce que aujourd'hui, la réflexion, elle a été enclenchée pratiquement concomitamment avec, dans le cadre du Startup Act, il y avait des réflexions sur les instruments financiers et sur différentes thématiques. Maintenant, on a préféré le sortir du Startup Act. C'est un peu comme la forme juridique, parce que ça va toucher au code des sociétés commerciales. Parce qu'au-delà des formes juridiques, il faut introduire des instruments financiers pour que des schémas de vesting pool soient simples, fluides, et que ça ne soit pas casse-tête. Et en l'occurrence, actuellement, on a un draft qui est prêt, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau du ministère de la Justice, avec une task force qui a travaillé sur le sujet, et y compris des membres de la task force qui ont travaillé sur le Startup Act, sur ce sujet-là. Et on a pu élaborer un draft pour la nouvelle forme juridique, la SAS, et également pour les instruments financiers. En fait, quand on parle d'instruments financiers, en l'occurrence pour nous, ces trois instruments, c'est avant tout les actions de préférence. Là, j'ouvre une parenthèse, parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, ce qu'on a, c'est on a les actions simples. Nous avons les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Et donc, on veut élargir le scope ou le périmètre des actions de préférence, preferred shares. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les actions gratuites. Et donc, ça, c'est une mécanique basique, mais en l'occurrence, elle est très utile dans des schémas de vesting pool. Et tertio, c'est tout ce qui est BSA, les bons de souscription en actions. Alors, en Tunisie, on a les OCA, en l'occurrence, mais pour les BSA, il va falloir les instaurer. C'est des instruments qui sont très utiles, aussi dans des logiques d'investissement.
Et ça aussi, c'est un point qui est très structurant, parce qu'au-delà, Mehdi, de schéma de vesting pool, c'est aussi important de disposer des bons instruments pour qu'on puisse investir dans des startups. Parce que ce n'est pas comme des PME, le temps compte différemment. Et donc, une levée, le plus tôt on l'a fait, le mieux c'est. Et disposer des bons instruments, ça peut éviter à des startups de se perdre dans des méandres d'exercices qui ne lui sont pas propres. Je pense naturellement à des exercices de valo en phase very early stage qui sont peu pertinents pour une startup. Et donc là, disposer des bons instruments, c'est structurant. Et en l'occurrence, tout ça, peut-être ça m'amène à donner quelques éléments. C'est que ce qu'on essaie de construire, in fine, on est en train de parler de dynamique d'écosystème. Et les dynamiques d'écosystème, il y a plusieurs composantes dedans. Alors clairement, le cadre juridique est une composante structurante. Le Startup Act, quelque part, un label des incitations, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait d'autres éléments juridiques aussi qui accompagnent, comme on en a parlé là sur la forme juridique et les instruments financiers. Mais il y a également d'autres volets qui doivent accompagner. Je me réjouis en entendant Monsieur le ministre Walid par rapport à tout ce qui est effort sur l'investissement, le financement de l'écosystème. Ça aussi, c'est un gros morceau. Donc, tout ce qui est investissement dans les startups, comment le faire? En Tunisie, on a une approche sur ça qui a débuté depuis 2017. Alors, en Tunisie, on est conscient, on ne prend pas les chemins les plus faciles. Les chemins souvent qu'on prend sont relativement longs et fastidieux, mais on est conscient que quelque part, si c'est bien fait, ça peut délivrer des choses structurantes et dans la durée. Et aujourd'hui, avec les deux ministres de tutelle, notamment le ministre en charge de l'économie numérique, Sifar El Khraïm, mais avec le ministre des Finances, Nizar Yaïch, les prochains enjeux pour nous, c'est d'asseoir un cadre d'investissement et de financement propice et de faire de sorte que le pipe qui a été créé par le Startup Act puisse maintenant s'accélérer avec de l'investissement, avec ses formes juridiques, ses instruments financiers qui vont suivre. Et l'idée, c'est que tout ça puisse créer une forme d'alchimie qui sera bénéfique à tout l'écosystème. Merci beaucoup, Haïtien. Alors, il nous reste 15 minutes et j'ai encore en fait quand même deux questions importantes. La prochaine question, c'est une question qui est assez épineuse et très très importante pour les startups. C'est tout ce qui est en relation avec le régime de change, transfert d'argent entre différents pays, ouverture d'une filiale à l'étranger. Alors, vu le timing, ce que je propose, c'est qu'on aille vraiment très très vite sur ce sujet-là, sachant en fait que c'est un sujet qui est très très important pour les startups. Et je vais prendre un exemple concret. Une startup en fait qui démarre au Maghreb et qui a besoin en fait de plus je dirais de financement voilà supplémentaire, sachant que les plus grands fonds d'investissement ne veulent pas investir directement dans les startups qui sont logées dans nos pays et qui ont besoin en fait que ces startups soient logées dans des holdings à l'international. Comment en fait chacun de nos pays on va dire, opère sur ce sujet-là. Alors, on va repartir avec toi, Aitam, en premier. Merci Mehdi. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un point qui est structurant parce qu'in fine, l'investissement, c'est le nerf de la guerre. C'est le sang un peu qui va circuler dans tout l'organe de la start-up et permettre son développement. Alors, aujourd'hui, il y a un double sujet. Il y a un premier sujet qui est comment faire de sorte que, idéalement, nos start-up puissent lever de l'argent dans nos pays ou dans notre région jusqu'à un certain niveau. Parce qu'on est conscient qu'à partir d'une certaine taille, quand ça prend de l'ampleur, c'est amené à aller ailleurs. Et donc, du coup, cette dynamique-là, on la voit même sur des startups européennes arriver à un certain stade. Elles doivent absolument aller aux US et du coup, transférer leur IP, créer leur filiale, leur entité, souvent en Delaware, etc. Donc, nous, on ne vit pas en autarcie, on n'est pas en marge de cette dynamique mondiale. Et ce qui est important, c'est de la comprendre et d'essayer de l'intégrer et de la fluidifier, de la rendre la plus simple et la plus accessible à nos startups. Donc, le premier sujet, c'est en tout cas sur les phases very early stage, sur de l'amorçage, du pré-amorçage, série A, etc. Comment faire de sorte que nos startups dans le Maghreb puissent lever de l'argent dans le Maghreb pour arriver jusqu'à un certain niveau où elles deviennent intéressantes pour aller dans des logiques internationales structurantes. Et secondo vient le point que vous avez mentionné, Mehdi, qui est de dire
Maintenant, quand elles doivent aller à l'international, lever à l'international, comment on peut fluidifier ça? Alors, sur le premier volet, nous, notre approche en Tunisie, ça n'a pas été de créer un seul fonds, contrairement à ce que j'ai compris de l'approche de nos frères algériens. Nous, plutôt, on a dit, on va plutôt mettre en place, on va monter d'un cran et mettre en place un fonds de fonds. Donc, ça n'a dit. Et ce fonds de fonds, l'objectif, c'est qu'il puisse impulser la création de plusieurs fonds d'investissement. Alors, au Maroc, il y a eu une initiative un peu similaire, qui est le fonds Innovinvest, qui est géré par la Caisse centrale des garanties, la CCG, qui a permis de financer 4 fonds d'investissement à date. Alors, sur le cas tunisien, on est sur un scale plus structurant. Donc, on parle déjà d'un fonds de fonds d'une taille cible de 200 millions d'euros, qui déjà va être libellé en euros, en devises, qui va investir dans ces fonds-là en devises, en l'occurrence en euros, qui eux-mêmes vont investir dans les startups en euros. Et la bonne chose dans le Startup Act, et d'ailleurs ça c'est pour nous, c'est vraiment la cerise ou le point le plus disruptif dans le Startup Act tunisien, c'est de permettre aux startups de détenir un compte spécial en devises qu'elles alimentent librement en devises, notamment de la devise qui peut provenir des levées de fonds. Et en fait, ils en font ce qu'ils veulent pour le développement de leur startup, sans aucune autorisation de la Banque centrale, ni quoi que ce soit. Et donc ça, c'est vraiment une mesure pour nous disruptive, c'est un changement de paradigme. On l'entame avec les startups. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à des startups de lever de la devise en étant dans nos pays et de pouvoir se développer avec. Maintenant, l'autre jambe, quand elles doivent ou elles sont amenées à croître, à aller sur d'autres pays. Alors pour nous, ce compte-là peut être utilisé pour créer des filiales à l'étranger. Donc l'idée pour nous, c'est de faciliter un peu ces schémas hybrides où on a une jambe dans nos pays et d'autres jambes au gré des marchés, au gré des régions, là où ils vont. Il faut intégrer ça dès le départ parce que c'est l'approche naturelle. L'essence elle-même. Et à partir de là, en fait, les startups, en fait, sur l'IP, on n'a pas une réglementation forte en Tunisie, et on n'a pas voulu la rendre contraignante. Donc, on l'a laissée telle qu'elle est en Tunisie. Donc, aujourd'hui, les startups sont libres de transférer leur IP là où elles veulent. Et en fait, ce qui va s'opérer, c'est que ce qu'on se dit, c'est que du moment qu'il y a un ancrage en Tunisie, il faut pousser pour que la Tunisie soit vue comme un pays de talent, là où, du coup, des startups ont toujours intérêt, quand bien même elles peuvent se développer en Europe, aux US. En Asie, elles ont toujours intérêt à garder cette arrière-boutique, à garder cette jambe dans cette région du monde et à miser sur ses talents, sur ses développeurs, ses codeurs, etc. Donc, c'est un peu ça notre approche. C'est un cadre propice qui permet de développer jusqu'à un certain niveau en donnant carrément de la devise, en étant chez nous et en les extrayant des contraintes du code d'échange et de la réglementation d'échange. Et à partir d'un certain niveau, libre à elles de créer des filiales, de faire des choses, de transférer leur IP et de vivre comme toute start-up dans le monde est lui. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Haytham. Je rappelle que pour les startups qui nous suivent, vous pouvez nous envoyer quelques questions sur le chat. Alors, il nous reste 9 minutes avant qu'on nous coupe la transmission. Donc, je vais revenir vers vous, Monsieur le ministre Walid. Voilà, qu'en est-il? Est-ce que vous avez prévu dans votre Startup Act cette possibilité de permettre aux startups de pouvoir lever des fonds à l'étranger, sachant que c'est vraiment un point fondamental? Commence petite, mais ils ont besoin de fonds pour aller beaucoup plus vite. Alors, en fait, la question est très épineuse et plutôt que de voir le problème dans sa globalité, je préfère plutôt voir différentes facettes du problème parce qu'il englobe en même temps un problème lié à la réglementation d'échange, à la rétrocession de devises, etc., la réglementation de la Banque centrale. Donc, en fait, il y a différents problèmes qui, je pense, doivent être traités au cas par cas et qui ne concernent pas forcément que les startups. Donc, en fait, on a entamé une série de tables rondes avec la Banque d'Algérie pour justement rendre plus facile la question du rapatriement de fonds en Algérie. C'était un peu compliqué dans le passé, notamment pour ce qui est exportation de services et l'exportation de services numériques. Donc là, on a essayé d'avancer sur pas mal de problèmes liés à la réglementation. Après, par rapport au fait. Parce que si j'ai bien compris, dans le début de votre question, vous avez parlé du fait que les startups partout dans le monde, même en France, même dans d'autres pays européens, à un certain niveau de maturité, préfèrent s'installer aux États-Unis. Moi, je pense qu'en fait, la question, ce n'est pas juste les fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
on fait aussi du nation branding, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui se positionnent comme vraiment des pays où il fait bon investir, où il fait bon créer sa start-up. Et quand on parle de ça, il n'y a pas que l'aspect réglementaire, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Il y a l'attractivité de certaines villes qui font qu'elles deviennent beaucoup plus susceptibles d'attirer des startups. Et si on attire des startups, donc s'il y a de la matière, automatiquement, il y aura des fonds d'investissement qui vont venir pour investir. Donc, je pense qu'il faut, plutôt que de voir le problème dans sa globalité, le décortiquer, parce que peut-être que le problème qu'on retrouve partout dans le Maghreb, c'est qu'on n'a pas encore de pôle donc de vraiment géographique, j'ai envie de dire. On a une grande concentration d'entreprises dans l'innovation, de vrais technopoles où on trouve tous les éléments de l'écosystème. C'est un peu quelque chose qu'on essaie de faire en Algérie. Et je pense que si on arrive à avoir donc un véritable pôle, ça pourrait, tout le reste pourrait venir naturellement, même les fonds internationaux, etc. Depuis la création de notre ministère, on a eu quand même pas mal de fonds internationaux qui veulent s'installer en Algérie. En parlant de fonds, parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de minutes, je réponds juste par rapport à la question d'avoir créé un fonds public. En fait, en Algérie, il y a plusieurs fonds publics. En fait, on a cinq qui sont répartis géographiquement. Donc, chacun gère des parties du pays. Et ce nouveau fonds, il va venir pour combler un certain vide qui s'est créé vraiment dans les early stages, donc qui va faire l'investissement dans des startups vraiment au tout début de stade de maturité. Et on essaie de créer une sorte de continuité avec les mécanismes déjà existants. Et là, je parle de fonds, enfin, vraiment d'investissement en equity. Parallèlement à ça, on a aussi d'autres mécanismes de financement qui financent en dette. Donc ça, c'est juste pour répondre un peu à la question sur les fonds. Mais de manière générale, pour revenir à votre première question qui est celle de ce qui est réglementation d'échange, de devises, etc. C'est vrai que on a quand même une réglementation qui est assez rigide, je pense, dans les trois pays, et qu'il faut à un moment donné encourager ces startups qui peuvent être réellement pourvoyeuses de devises étrangères et qui peuvent justement en fait scaler si on leur donne l'occasion de le faire. Sinon, qu'est-ce qui leur empêche d'être domicilié dans d'autres pays ou de bénéficier de services de banque virtuelle, etc., qu'on peut créer. Donc, en fait, c'est simple. C'est soit on s'adapte à cette nouvelle forme d'économie, soit les startups trouveront toujours des échappatoires et contourneront le système mis en place dans leur pays. Donc, c'est vraiment, comme l'a dit Haytham, c'est disruptif. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné se dire que tout ce qui a marché durant des années, durant des décennies, n'est plus applicable maintenant et qu'il faut à un moment donné faire sauter les verrous pour permettre à nos startups de scaler. Voilà. Merci beaucoup. Sylvain, en une minute. Oui. Alors, si on regarde d'un point de vue de la liberté d'investissement étranger, effectivement, le cadre est favorable et donc ça, les startups en bénéficient. Un investisseur étranger. Je pense qu'il y a peut-être une petite coupure d'Internet en attendant que Sylvain nous rejoigne. Alors, j'ai eu quelques questions justement sur le chat. On dit, est-ce qu'on peut rêver d'un... Pardon, Sylvain est de retour, donc on te redonne la parole. D'accord. Avoir des comptes donc certifiés par un commissaire aux comptes, donc ça c'est uniquement dans le cas en principe où la start-up est sous forme de SA. Et puis pour que l'opération soit également libre, il ne faut pas que l'investissement dépasse 50 millions ailleurs qu'en Afrique. En Afrique, on peut aller jusqu'à 100 millions. Donc je dirais que sur le continent africain, effectivement, l'investissement peut être plus important. Mais il y a le premier critère d'avoir des comptes certifiés par un commissaire aux comptes. Maintenant, si on veut passer outre, il faut l'accord préalable de l'office de change. Donc, voilà, je dirais, si je veux présenter dans la minute que j'ai le régime d'échange au Maroc. Merci beaucoup Sylvain. Franchement, on aurait aimé qu'on puisse avoir au moins une demi-heure de plus parce que ces sujets de réglementaires par rapport à la start-up sont très très importants et c'est ça qui va définir, on va dire, le succès des start-up maghrébines dans le futur. Donc, alors, on a reçu quelques questions. Peut-on rêver
d'un Startup Act maghrébin? Je pense que oui, il faudrait qu'on rêve d'un Startup Act maghrébin pour qu'on puisse agrandir le marché des startups qui sont en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, pour qu'ils aient un marché plus grand et surtout qu'ils puissent être beaucoup plus solides. Quid des actions gratuites et vesting pool pour le Maroc, donc par Souleymane. On a eu la chance d'avoir Sylvain qui a répondu à cette question. Donc, vu le timing, je me permettrai de te répondre one-to-one. Voilà. Alors, peut-être dernière chose, ou plutôt mot de clôture, en 30 secondes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nos pays sont des pays start-up friendly? En donnant un indice de peut-être de 0 à 100, et s'il y avait une seule mesure que vous souhaitez implémenter en priorité dans chaque pays, ça serait quoi? Donc, je vous donne la parole, Sylvain. Alors, Startup Friendly pour le Maroc, j'en suis pas certain. Je ne vais pas me risquer au jeu de 1 à 100, je veux dire à 50-50. Je disais tout à l'heure, en fait, il y a un système juridique favorable à l'innovation, d'une part. D'autre part, il y a un écosystème favorable à l'investissement et au financement, d'autre part. Le point amélioré, je pense, d'un point de vue juridique, c'est la même réflexion que nos amis tunisiens et algériens. Il faut aller vers un cadre juridique adapté, donc à l'image de la SASU, par exemple, en France, adapté dans le sens où il doit apporter de la souplesse, s'adapter à la réalité des startups en termes de gouvernance, de nombre d'associés, création d'actions privilégiées, etc. Je pense que c'est le point le plus important. Et puis, on en parle peu, mais je pense que la notion d'apport en industrie doit être réfléchie pour les start-upers. Surtout pour les petites startups, les gens n'ont pas forcément l'investissement nécessaire, le financement. Et l'apport en industrie, parce qu'il y a un gros travail qui est fourni, peut être un moyen effectivement pour abonder le capital. Mais là, ça pousse à effectivement une réflexion sur la notion d'apport en industrie. Merci voilà. Sylvain. Haitham. Merci Mehdi. Alors, en Tunisie, je ne vais pas mettre un score, mais plutôt ce que je dirais, c'est que nous, notre vision, c'est comment faire de la Tunisie un pays qui soit startup friendly dans sa région naturelle. Donc ça, c'est notre ambition et c'est ce sur pourquoi on est en train de travailler. Et future will tell, le futur nous dira jusqu'à quel niveau on réussira à concrétiser cette vision-là. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a fait un premier pas, le Startup Act est un premier pas. Maintenant, on a plusieurs autres pas qui doivent suivre. Un écosystème est loin d'être résumé un cadre juridique. Maintenant, par rapport à la question d'Imen, je pense que ça a beaucoup de sens de rêver d'un Startup Act maghrébin et que les startups puissent être un vecteur d'inclusion maghrébine. Parce qu'encore une fois, les startups, ayant en tête qu'elles ne reconnaissent pas les frontières comme les entreprises classiques, elles sont par nature plus agiles, plus flexibles, plus symbiotiques au gré des marchés, au gré du capital, des talents, etc. Maintenant aussi, je finis avec un autre point, c'est que sur l'expérience tunisienne, actuellement, on est le grand sujet, c'est le sujet de l'investissement avec le lancement prochain et imminent du fonds de fonds, etc. Et en fait, en discutant avec pas mal d'investisseurs dans le monde entier, ayant en tête qu'ils regardent non pas la Tunisie, l'Algérie, le Maroc séparément, ils nous voient comme une région. Ils disent c'est le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord. Alors, l'Égypte est un peu spéciale, mais c'est un peu comme aujourd'hui, on parlerait du Mashreq par rapport à la région MENA, etc. Donc, on est une région. Et je pense que notre avenir dépendra de notre capacité à structurer cette région-là, à faire des startups un vecteur d'inclusion et à faire de sorte que toute notre région, que tout le Maghreb puisse être intéressant, attractif, au-delà de nos startups, à des startups de la Méditerranée, à des startups de la région MENA et à des startups de l'Afrique. C'est ça leur rêve. Merci. Merci beaucoup, Haitham. Et pour conclure, Monsieur le ministre Walid, Algérie, startup friendly, oui, non, peut-être demain. Et quelle serait l'action? Oui, non. Disons qu'il y a un effort qui est fait et qui, on l'espère, fera que l'Algérie devienne beaucoup plus startup friendly que ce qu'elle l'est. Après, c'est une sorte de compétition mondiale. Hein. Chaque pays qui veut se positionner comme la startup nation, chacun à sa manière. Donc, je ne pourrais pas vraiment répondre de manière binaire, vous dire oui, non, mais le but, c'est vraiment de faire des pays maghrébins, des pays qui soient les plus
propice au développement des startups. Après, mon souhait, c'est justement, pour rejoindre un peu la grande dernière question, c'est qu'ils puissent avoir en Algérie, bon, je parle comme en qualité de ministre de ce secteur, mais sinon, même au Maghreb, de véritables pôles qui seraient reconnus partout dans le monde. Il y a certains pays qui ne sont pas très loin économiquement, enfin, au niveau des pays maghrébins et qui ont pu avoir véritablement de véritables start-up cities ou véritables technopoles. J'étais la dernière fois l'exemple du Chili, qu'on appelle très récemment la Silicon Valley, donc avec Santiago qui est devenu le plus grand accélérateur au monde. Donc, franchement, il faut rêver. Et puis, vraiment, pour finir, moi, mon souhait, c'est vraiment qu'on puisse avoir une ville, une région qui serait reconnue partout dans le monde pour tous les avantages qu'elle offre aux startups et qui serait attirante, qui pourrait séduire même des startups étrangères à s'implanter. Voilà. Donc, c'est un peu ça, si vous voulez que je résume un peu ce que je rêverais d'avoir en Algérie et dans le Maghreb. Excellent. Mille merci. Franchement, un panel très, très intéressant par la qualité des intervenants, par la qualité des réponses. Si je dois résumer en un mot, rêvant de ce start-up acte maghrébin, où le Maghreb devient la Silicon, on va dire, Valley, je dirais, dans un premier temps, peut-être de l'Afrique. Et on a la chance d'avoir plein, plein, plein de talents. On a des écoles d'ingénieurs pour produire ces talents. Et je pense que le Maghreb a une carte à jouer. Si chaque pays essaie d'y aller tout seul, je pense qu'on ne fera pas grand-chose. Mais si on y va autant que Maghreb, on a certainement une carte à jouer. Mille merci. C'est Merci à vraiment un vous. plaisir d'avoir modéré ce panel. Et je suis sûr et certain qu'on aura le droit à des prolongations de ce panel-là dans d'autres contextes bientôt, Inch'Allah.